de la ligne de touche. Ngoï Mboko. Pour qui le ballon n'arrive pas à l'Ekalu Tukadioko. L'ami, non, Ngoï Mboko. Le ballon en touche au bénéfice de Moutin Pembe. C'est plutôt Ebunga qui effectue la remise en touche pour son capitaine Bokese Gladys. Un international aussi, en fil Niaou pour Kouloukouta. Il était suivi de très près par Yemouni Nguidi, Jean-Jacques, qui a 11 buts maintenant, qui a 8 buts plus tôt. Qu'est-ce que je raconte, 3 buts. Attention, belle balle. Non. Non, le premier assistant, Justin Mayabouana du Bas-Congo, signale le hors-jeu de Mputu Mabitrésor, mais lui il refuse, il dit ce n'est pas vrai, ne me racontez pas des histoires, j'avais bien surveillé mes adversaires. Alors on va repartir sur ce coup franc avec Bokese Gladys pour Mabélé. Balle aérienne pour qui de la tête. Avec lui, Tukadioko, que va-t-il faire dans la soupe de réparation? Et pour Moutema Pembe. Excusez-nous, nous ne sommes pas vraiment dérangés ici par les spectateurs.